Route nationale 2, grève des transporteurs effective. Qu'ont prévu les transporteurs de la route nationale numéro 2 reliant la capitale à Tourmasne ont suspendu la ligne vers la côte est ce jour. On n'a constaté aucun véhicule au départ de la capitale ni en provenance de Tourmasne, sauf des cas exceptionnels. Guichet fermé, circulation fluide, moins d'affluence, la gare routière d'Amoudvoun a présenté un paysage inhabituel aujourd'hui. Et c'était pareil dans les autres stationnements, un Passapit et un Tomading, qui proposent des lignes reliant la capitale à la côte est, Fatman, Djemouramang, Amanouj. Certains voyageurs n'ont pas été au courant de la grève et se sont rendus à la gare routière. « Je devrais partir à Tourmasne pour mon travail, mais suis bloqué ici, à Tana, faute de moyens de transport », se plaint un passager. A noter que cette grève a été décidée par les coopératives et associations des transporteurs de Madagascar. Elles réclament plus de sécurité et de manière pérenne sur la route nationale 2, la réhabilitation des routes nationales et l'incarcération des 5 personnes accusées d'être commanditaires de jets de pierre et qui avaient été relâchées. Une rencontre des représentants des transporteurs avec Rivra Koudvao, président du Sénat, a eu lieu hier. Des compromis ont été trouvés si l'on se réfère à la déclaration des transporteurs qui ont promis de reprendre leurs activités demain.